Oh. Deux petites secondes, il y a l'air d'y avoir des choses intéressantes là-dedans. Quelle affreuse façon de mourir. Une machine d'hydrothérapie à haute pression, utilisée au début du XXe siècle pour traiter les maladies mentales. Une vieille disquette, des noms sont inscrits sur le devant. Jawad, Tamar, Lomar, Judith. Avital, Tisha, Milka, Shailon, Loïs, Kala. D'accord, et ça c'est la porte qui se déverrouille. Bon, ça va, j'ai récupéré quelques cartouches de fusil. Et maintenant, donc là il va fausser un moule, il va falloir qu'on coule quelque chose dedans, je sais pas quoi. Ça c'est la disquette qui va nous permettre de faire quelque chose dans l'entrepôt. On va y aller, il va falloir qu'on défonce le monstre qui est là-bas, mais... Je pense que ça devrait aller, ça devrait le faire. Avec les quelques balles de fusil que j'ai récupérées, parce que en fait j'ai vraiment peur d'avoir... En fait le jeu me mettait un petit peu en confiance, entre guillemets, hein, dans le sens où on avait tué la plupart des monstres, et où là on commençait à avoir quelques munitions et quelques soins en rab, et là d'un seul coup le jeu me fait repopper les monstres. Bon, j'ai de la chance, il ne fait que faire réapparaître les monstres, il aurait pu m'en mettre des beaucoup plus puissants. On aurait pu avoir le syndrome du Hunter, hein, comme du premier Resident Evil. Hein. Ou alors du Crimson Head dans le remake, qui est encore pire. Alors là-dedans, il y en a deux. Non, c'est. Si, c'est dans le hall qu'il y en a deux. J'ai pas beaucoup de clous. Est-ce que j'en bute un par sécurité? Je pourrais faire ça. On verra. Putain! Oh la vache! Cette double esquive de la mort là! Bon, allez, à lui. Lui, par contre, il va falloir que je le défonce. Sauf s'il est quelque part... et qu'il bouge pas. Ce dont je doute. Ok, il m'a vu. C'est satisfaisant, je trouve, de buter ces strums là, de leur foutre des coups dans la gueule et qu'ils se relèvent pas. Je trouve ça ultra... C'est très grisant, je trouve. Mais c'est vraiment la bonne astuce, hein.
Alors attendez, on va par où là? Au bout, c'est l'entrepôt, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille, donc on va y aller. Comme je sais pas trop s'il y a un monstre qui aurait repopé dans la cuisine ou quoi, je sais pas, donc on va directement aller dans l'entrepôt. Quoique, il y avait un dans l'entrepôt, je crois. Ok, non, c'est celui que j'ai tué. Je crois. Oui. Ok. Nous, mot de passe. Quoi? La disquette est protégée en écriture. Oh, wait, what? 3 plus 6, moins 9? D'accord, ok, donc 3 plus 6. Ça fait 9, moins 9, 0? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais pourquoi? C'est quoi ces conneries? C'est quoi cette merde? Je me suis dit c'est le mot de passe à rentrer, mais... +6 -9 Lomar plus Tisha moins Loïs. Attendez 2 secondes. Putain, je vais reprendre mon, mon bout de papier. Donc c'est... On est d'accord que c'est 3 plus 6 moins 9. Hein. 3 plus 6 moins 9. Ou alors... Non, c'est pas dans l'autre sens. C'est pas 6 moins 9 plus E. Ça n'a aucune, aucune signification. Donc 3 plus 6 moins 9. Donc 3 plus 6 moins 9. Je note 3 plus 6 moins 9. C'est-à-dire qu'on aurait donc... Lomar plus Tisha moins Loïs. Si j'enlève le O, le L, le I et le S, Martha. Ça fait Martha. Putain. Quand même bien fait, hein. C'est quand même bien fait. Mais... Alors, attendez, ça c'est... C'est journal de qui? Attendez. Maria, mais alors, attendez. C'est Martha ou Maria qu'il faut marquer, du coup? Parce que là, moi, ce que j'ai, c'est vraiment, c'est Martha. Hein. C'est pour ça que alors, je savais plus trop comment elle s'appelait, mais... On va tenter. Non, je suis con, par là. Putain, je vais y arriver. M. Oh, putain. A. A. R. T. H. A.
Non, putain, c'était tellement ça. C'était. J'étais tellement sûr de moi. J'étais tellement sûr de moi. Ah putain, fais chier. Bon, je reviendrai. Ça m'emmerde, mais. Pff. Hello? Non, y a personne. Y a forcément un truc à faire là-dedans, mais alors je sais toujours pas quoi. Au pif, hein. Voilà, comment déprotéger la putain de disquette? Et pourtant, j'ai connu les disquettes, hein, mais peut-être je plains les nouvelles générations qui vont jouer à ce jeu-là et qui connaissent pas comment ça fonctionne, hein. Déjà, même moi, je galère, alors. Attendez, Martha, c'est bon. Hop. Ok. Override complete. Bah maintenant du coup attendez, il faut que je reprenne la disquette parce que si je la reprends pas, ça va pas le faire. Ok. Bon, retour. Retour au bureau. Enfin à la salle de couture plutôt. Puisque c'est elle qui est fermée. Ou non, la chambre plutôt, je dis n'importe quoi. Oh là là. C'est compliqué. Hop, là, il va y avoir un strum. Juste devant ma gueule, mais bon, ça, je me fais pas de. Ouh! J'ai pas rêvé, on a bien vu son derche là. Pendant qu'elle montait les escaliers. Ok. Bon. C'est par là. Non mais je suis con quoi, c'est là où je viens. Ouh là là, non mais je vous jure, c'est compliqué là. Putain, il est que 15h20, mais je crois qu'il va être temps d'aller se coucher dans pas longtemps. C'est que je suis pas concentré, hein. Je suis pas concentré du tout. Alors le bureau, il est. Non, salle de couture. Elle est ici. Non, c'est là. Pas la salle de couture. La salle de couture, c'est la sauvegarde. Là, c'est la chambre. Yes! Ne viens pas foutre en l'air la belle musique de ce lieu. Un vieux vinyle. Now you can hear me anywhere you go. Anywhere, non, anywhere you go. Alors où est-ce que je vais pouvoir le lire ce vinyle? Le journal de Maria. C'était lequel qu'on avait vu précédemment? Je pouvais pas lire plus que ça, hein. Je crois qu'on l'avait lu. Bon. 21 mai 1968.
Je suis enceinte, William est ravi, mais se montre plus calme et réservé que la dernière fois. Il a engagé une domestique pour m'aider, et elle ne me quitte jamais. Au début, l'idée ne me plaisait guère, mais au fil de ces derniers mois, Anna et moi sommes devenues bonnes amies. Elle a presque mon âge et partage mon amour pour l'art. Certains après-midi, nous discutons des heures durant d'artistes, de poèmes, de tableaux ou de sculptures célèbres. Je me sens un peu coupable. Je ne pourrai jamais parler de ce genre de choses avec William. Bien sûr, je ne suis jamais vraiment intéressé au seul sujet sur lequel il aime s'étendre, la médecine. Oui. D'accord. Donc Anna, la domestique. Quel nom d'une des deux jumelles d'ailleurs aussi, hein? Oh. Mais bordel, c'est quoi? C'est Zerantil 4 le truc là? Je sais pas combien de temps ça va durer, hein. Bordel! Mais c'est sérieux là? Alors j'ai réussi à le bloquer dans un coin. Relou là, au bout d'un moment, en fait. Bon, vous savez quoi? Mais bordel, il est invincible, c'est pas possible. Attendez, wait, y a un truc qui cloche avec ça. Avec lui, là. Faut qu'on se casse. Bordel, je suis où, là? Non, je pense qu'il est invincible. Putain, je suis où, là? Je sais même pas dans quelle direction je vais. Quelle expérience horrible. Bon, ça va, heureusement qu'il est lent de ouf. Eh ben. Pour le buter, lui, il va falloir se lever tôt, je crois. Alors, je crois que j'ai pas tout visité dans cet endroit. Notamment la salle des enfants. Ah, on a le vinyle, ok. Là, j'ai des clous. Ouais, ça m'en a redonné quelques-uns. La photographie d'une porte métallique, ça me rappelle quelque chose. Bah, tu m'étonnes. Oh, William, il est mort. Oh là là. Attendez, il y a plein de trucs à faire, là. Oh, mais il y a du sang partout. «
desserre les parties rouillées, libère les mécanismes collants. Une sorte de boîte, elle est fermée. Bah oui, mais tu veux pas la tourner? Oui, mais tourne-la! Ah non, faut d'abord que je mette le, d'accord, ok. La voix de sa femme. Le corps est encore chaud, il était sans doute encore vivant il y a quelques heures. Qu'est-ce qui se passe ici? Putain, si je le savais. Il y a une espèce de boîte à côté de lui, je sais pas ce que c'est. Le journal de William. 14 décembre 1994. Je suis retourné là où j'avais laissé le sujet de test, où j'ai découvert qu'elle s'était échappée. Comment ai-je pu me montrer si imprudent? Je n'ai plus de cobaye, et puisque tous les patients sont partis dans un autre hôpital, en trouver des nouveaux est devenu compliqué. Mais je ne peux pas attendre, je ne supporte plus de la voir dans cet état à cause de moi et mon ego. Je vais administrer l'antidote à Maria. « 17 décembre 1994. J'ai administré l'antidote à Maria. Son corps s'est mis à convulser et elle a laissé échapper un cri perçant. Cela n'a duré que quelques secondes. Ensuite, elle est retombée dans son lit et le silence s'est installé à nouveau. C'était elle, sa peau, ses cheveux, ses yeux qui me regardaient, complètement lucides. Quand elle a bougé ses lèvres faiblement pour me dire quelque chose, j'ai approché mon visage du sien. Mon cœur s'est arrêté de battre quand j'ai entendu ses paroles. William, mon père, a emmené les filles. » J'ai reculé d'un pas, déconcerté. Ses yeux se sont lentement fermés, et un sourire satisfait s'est dessiné sur son visage. Avait-elle attendu tout ce temps, enfermée dans cette chose, juste pour me dire cela? Sa vie venait finalement de prendre fin. Repose en paix, mon amour. Les choses que je vais vous faire subir sont indescriptibles, Noah. Une fois que vous m'aurez dit ce que vous avez fait à mes filles, vous me supplierez de vous achever. Mais c'est étrange, je ne me sens pas bien. Mon pouls s'est accéléré, ma bouche est sèche, mes yeux sont brumeux, ma gorge est serrée. Ces symptômes. Quelqu'un a empoisonné mon vin. Oh, là, d'un seul coup, ça gagne en intérêt, là. Bon. J'ai envie de retourner là. Juste parce que normalement, il est supposé y avoir une porte. Ici. « 15 novembre 1980. Nous nous sommes enfuis du manoir le plus discrètement possible. Nous avons descendu la colline en direction du port. Mère était agitée. Elle avait du mal à respirer, et de grosses cloques apparaissaient sur sa peau. Nous étions au milieu du vieux pont en bois, 20 mètres au-dessus de la rivière, quand des hommes avec ces terribles tenues en cuir sont sortis de derrière les arbres de chaque côté du pont.
Mère nous a serrés dans ses bras, ma sœur et moi, et nous sommes lentement rapprochés de la balustrade. Les hommes ont commencé à marcher vers nous lentement, et le pont s'est mis à grincer et craquer. Mère nous a poussés encore plus près de la barrière. L'une des planches a cassé, et ma sœur a glissé en hurlant. Je l'ai rattrapée par le bras, mais je n'étais pas assez forte pour la tenir très longtemps. Elle est tombée. Je n'ai rien pu faire pour la sauver. Mère n'a pas non plus eu le temps de réagir et a tombé à genoux. Les hommes nous ont attrapés et ramenés à grand-père Noah. L'état de mère semblait empirer chaque seconde. Grand-père m'a jeté dans une cellule fermée à clé. Il m'a dit que personne ne m'entendrait, même si je criais de toutes mes forces. Il ajoutait que maintenant que ma sœur était morte, je ne lui étais plus d'aucune utilité, car il avait besoin de nous deux pour ouvrir le caveau. Ensuite, il est parti, me laissant seul. J'étais enfermé dans une cellule avec une misérable bougie pour toute source de lumière. J'ai crié et pleuré jusqu'à ce que ma gorge ne m'obéisse plus. Il s'agit sans doute des derniers mots que je pourrais écrire. Je suis sûr que je vais mourir ici. Pourquoi tout cela est-il arrivé? Si seulement tu étais là, père. Attendez, c'est celui-là, le journal qu'on vient de voir. Hein. Ok. Ces dessins d'enfants me mettent mal à l'aise. Wow! Bon, moi je vais conclure qu'il n'y a rien à faire dans cet endroit. Hein. Ouais, pour le moment en tout cas. Et donc maintenant... Faut redescendre. Il faut redescendre. Est-ce que je le fais tout de suite? Je sais pas. Attendez, il est super proche là. Non, c'est bon, ils sont loin. Ah, mais non! Voilà, il a clairement une inspiration, c'est Silent Hill 4. Hein. Il était où ce miroir? C'était là en fait, hein? Ok, c'est la deuxième fois qu'on le rencontre celui-là. Sauf que je crois que le premier qu'on avait rencontré qui s'était réveillé depuis la table d'opération était nettement plus balèze.
Bon, là, je sens qu'on est rentré dans le dernier tiers du jeu, hein, clairement. Hein. Je sens que l'intensité dramatique du scénario monte un petit peu. Et les monstres me font me dire qu'on est dans la dernière dans la dernière partie du jeu. What? What, what, what? Wait, comment ça? Merde, mais attends, quoi? La porte est trop rouillée pour s'ouvrir. Rien ne se passe, attendez 2 secondes. Oui, mais attendez, what? Attendez, deux petites secondes. Mets fin au grincement, chasse l'humidité, nettoie et protège, lubrifie les pièces rouillées, dégrippe les mécanismes collés. Mais comment je m'en sers? Attendez, c'est peut-être sur les engrenages qu'il faut que je l'utilise. Voilà. Ça bouge pas, je vais devoir forcer l'ouverture. Donc là, avec le marteau... La porte est trop rouillée. Je comprends pas. Est-ce qu'il faut que je le... Ah, c'est toujours lié, ah, d'accord. Je comprends. Faut que je le réutilise encore plusieurs fois? Non? Non, y a un truc là. Forcer l'ouverture, mais comment? Oh, mais attendez, mais je suis trop con! J'avais pas vu qu'il y en avait un autre. Non mais attendez, c'est pas vrai. On se moque de moi là. Ah! Donc le marteau avait bien quelque chose à faire, son rôle à jouer. Je sais pas ce qu'on va trouver de l'autre côté, par contre. Il va falloir qu'on s'arrête en plus, là, dans pas longtemps. Qu'est-ce qui m'arrive dessus, là? C'est que ça? On est où là? On dirait presque qu'il tend la main vers les poupées suspendues. Quelle horreur! Des squelettes de jumeaux siamois jouant au niveau de la tête. Vieille couveuse, elle n'a pas l'air d'avoir été utilisée depuis un long moment.
J'aurais peut-être pas dû m'embarquer là-dedans, j'aurais peut-être dû m'arrêter. Oh là là, mais c'est de pire en pire. Ah, mais un autre miroir là, parfait. J'aurais peut-être pu l'esquiver du coup. Oh, c'est une salle de sauvegarde en plus? Oh, mais c'est parfait. C'est absolument parfait. Et ça, c'est. Ça mène à la salle des nouveau-nés. Donc, on va pouvoir y retourner. Super. Alors, salle des nouveau-nés, quoique. Attendez, on a deux portes quand même. Hein. Bah, cela dit, celle-là, elle est complètement. Complètement d'accord. Donc, c'est. Ah, dans la salle des nouveau-nés, je vais pas pouvoir y retourner. Je vais pas pouvoir y retourner, puisque la porte est bloquée des deux côtés, aussi bien la maternité que la salle d'accouchement. Bah alors, du coup, qu'est-ce que je suis allé foutre là-bas derrière? Je sais pas trop. Bon, quoi qu'il en soit, nous on va s'arrêter là. Je regarde s'il y a aucun autre objet. Mais je n'en ai pas l'impression. Donc là, normalement, je devrais pouvoir déverrouiller la porte. Ah non, elle est déjà déverrouillée. En fait, non, j'avais dû. Je crois que j'étais jamais allé par là. Comment ça se fait que j'étais jamais allé dans le. Ah oui, non, c'est cette porte-là, au bout du doigt, là, qui était verrouillée. D'accord, donc je vais peut-être trouver quelque chose dans le hall est. Mais on verra ça le prochain coup. On verra ça le prochain coup, qui sera. Le prochain coup sera le dernier, je pense, hein, le jeu. Il a pour une petite dizaine d'heures, quelque chose comme ça, je crois. Là, je sais pas combien on en est. Mais on va bien voir. On va bien voir. Something tore off one of the priest's arms. Thankfully, the doctor William surgically replaced it with a new one. I didn't even realize a procedure like that was possible. I also discovered that William is the father of the twins in the photo. I should go to his office to see if he can give me some useful information. Un petit temps de retard quand même, hein. Et donc là, du coup, on est à. Je sais plus, attendez si je fais charger la partie. On est à 8 heures de jeu, donc ouais, je pense que là, il y en a une pour une bonne dizaine d'heures, je pense, un peu plus, peut-être. Donc je pense que la prochaine session, ça sera la dernière. Bon, écoutez, grande avancée. Je disais, ça avance pas beaucoup, ça avance pas beaucoup. Bon, c'est vrai que scénaristiquement, pour une bonne partie de la session, on avait quelques miettes à grignoter, et là, d'un seul coup, pouf, ça avance un peu. On a pas mal de notes qui nous expliquent pas mal de choses. Alors c'est assez étrange, au final, tout le scénario passe quasiment par les notes. Il y a très très peu de choses qui passent par les... vraiment par la mise en scène, hein, par les cinématiques, ça passe beaucoup beaucoup par les notes. Et je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. J'ai vraiment l'impression qu'on... Vraiment qu'on visite un lieu fantôme dont on découvre le passé petit à petit. Et dont on découvre le passé qui mène... aux événements de maintenant, en fait. C'est-à-dire que petit à petit, en avançant dans les notes, on rattrape, en fait, le passé jusqu'au présent. Et puis, j'imagine que ça va bien se finir... ça va bien se finir avec, je sais pas, avec, je pense, le... peut-être le grand-père. On va peut-être rencontrer le grand-père en fin de vie, je sais pas. Ou alors peut-être une des deux jumelles, ou peut-être apprendre la révélation sur peut-être la vraie identité de notre personnage. Pourquoi est-ce qu'on lui a arraché un œil? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle a l'impression d'être déjà venue ici à l'époque? Pourquoi est-ce que j'ai l'étrange impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez elle? Et pourquoi le prêtre a fait la confusion entre elle et William pour l'opération de son bras? Voilà, plein de petits détails à droite à gauche qui me font poser des questions. Questions auxquelles on n'a pas encore vraiment de réponse, même si j'ai la forte intuition qu'en fait... J'ai la forte intuition qu'on dirige en fait une des deux jumelles, hein, tout simplement. Qui, peut-être, après sa chute, aurait perdu la mémoire. Ne serait pas morte, mais aurait perdu la mémoire, je ne sais pas. Hein, là, je... Mais ça me paraît quelque chose de probable. Voilà. Donc, ce jeu est super cool.
exceptionnel, je pense pas, mais il a vraiment une ambiance, il a vraiment une patte artistique, une patte sonore. Il y a vraiment un truc qui se dégage de jeu, de très nostalgique, qui fait vraiment dans le. Qui me fait vraiment, vraiment penser vraiment au remake de Resident Evil. C'est vraiment le truc auquel ça me fait penser. En moins glauque, hein, bien sûr. Mais voilà, vraiment, il y a un peu de tout, j'ai l'impression. Il y a du Silent Hill, il y a du Resident Evil, il y a un peu de Projet Zero, il y a. J'ai l'impression que les. En plus, comme c'est trois séries que j'aime beaucoup. Voir un petit peu d'influence de ces jeux-là, de ces séries-là, à droite à gauche, rassemblées dans un jeu, et ben ça fait plaisir, d'autant plus que le jeu, ben ça ne l'empêche pas d'avoir sa propre identité, pour autant. C'est pas parce qu'il s'inspire ouvertement de ses confrères de. J'ai envie de dire d'outre-tombe, je sais pas trop si on peut dire ça comme ça, parce que bon, les vieux Resident Evil ça ne se fait plus, les Silent Hill pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, c'est mort, et puis les Projet Zero, bon bah ça a plus le succès que ça avait à l'époque, mais du coup de le voir s'inspirer de ces séries-là, ça fait plaisir, et le jeu a son identité, le jeu arrive quand même à avoir sa propre âme, et surtout que bah, au final, le produit fini auquel on joue actuellement, il est bien fait, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste un monstre de Frankenstein. Je trouve que tout s'imbrique plutôt bien, sans pour autant que ce soit parfait. Mais là, franchement, je pense que. Alors, je crois que c'est leur premier jeu, hein, les gars qu'on fait ce Tormented Souls. Mais pour un premier jeu, je trouve franchement ça vraiment bien. Vraiment très très bien. Voilà, j'ai l'impression d'empiéter un petit peu sur ce que je vais dire dès que j'aurai fini le jeu, mais c'est pas bien grave. Au moins, vous avez mon avis. À chaud, là, à la fin de cette session. J'ai hâte de voir où tout cela va nous mener. Voilà, parce que le scénario est intéressant, mais c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Ça m'intrigue, ça me donne quand même envie de savoir un petit peu ce qui va se passer, en tout cas ce qu'il s'est passé. Mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est suffisant. Il y a quand même une petite carotte qui me pousse quand même à aller de l'avant. Et voilà, bon, écoutez, c'est super cool. Franchement, je kiffe jouer à ce jeu-là. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette nouvelle session sur Tormented Souls. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine qui pourrait être la dernière. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!